On dit que cet oiseau a eu à faciliter un choix de succession. C'est certainement arrivé au niveau de la famille maraboutique, quand je crois le patriarche est décédé. Bien sûr, il a laissé des enfants. Je ne sais pas si c'était tous de même mère ou si c'était des demi-frères. Il semblerait que les sages qui étaient là avaient un peu de difficultés pour désigner le successeur. Ça suppose donc que le patriarche n'avait pas laissé un testament. Et pendant qu'il débattait sur ce problème, il paraît que le phaéton, venu de je ne sais d'où, est venu se poser sur l'épaule des prétendants. Ainsi donc, le problème a été tranché parce qu'on a dit que c'était un messager de Dieu. Jogina bitim rew ini picha mangina kamul famu jam mingi jogere ugrew ti jam ti sunum rew mangi baj khale bu kal album korei nako bayimu na khola jaru ba tankam soko khole. Il faut que je sois dans l'ultimum. Je suis d'ordinaire, il faut que je sois dans l'ultimum. Si je suis dans l'ultimum, je suis dans l'ultimum. Je suis dans l'ultimum. Je suis dans l'ultimum. Je suis dans l'ultimum. Je suis de glandat ram faluk jambar dom bayoy de glandat suma julit bilay wo famu jogi bitirew xol ndokh mi lay top di ñew. Il faut protéger l'externe, faut pas les toucher. Faut pas les tuer. Il faut les laisser voler. Oh. Aïe. Alors vous nous avez vu nous activer de façon à trouver une solution pour pallier le déficit en électricité de l'école. Donc bien heureusement, les voisins ont été compréhensifs et on a pu faire un branchement de façon à pouvoir assurer la projection d'aujourd'hui. Alors vous nous avez vus, mais vous ne nous connaissez pas, donc je vais me présenter ainsi que mes deux collègues en uniforme qui sont avec moi. Donc à commencer par le lieutenant Mahmoud Fall, responsable du bureau éducation des parcs nationaux du Sénégal, accompagné aujourd'hui de son adjoint Amadou Sega Diop. Donc ces deux personnes représenteront l'État sénégalais. Quant à moi, vous l'avez bien remarqué, je ne suis pas sénégalais, n'est-ce pas? À votre avis, de quelle nationalité je suis? Voilà, je suis français, mais je travaille pour un grand organisme international qui s'appelle BirdLife International, et je travaille dans différents pays du monde sur les oiseaux. Alors je viens régulièrement au Sénégal depuis 2 ans pour parler avec les enfants, parfois avec les adultes, des problèmes concernant les oiseaux. Et aujourd'hui, essentiellement, nous allons parler des sternes. Connaissez-vous cet oiseau ou ces oiseaux? La sterne. Alors j'ai connu le Sénégal pour la première fois en février 1990, où j'avais passé quelques temps à Toubacouta, dans la région du Sinsaloum. J'y suis retourné l'année suivante, en 1991, en Basse-Casamance, à l'époque où c'était assez calme là-bas. Et puis donc j'ai vu cet appel d'offres pour le Sénégal, c'est un pays qui m'avait beaucoup plu. Donc je me suis décidé à postuler, j'ai commencé la mission en novembre 1995. Bien, alors voici une photo très importante. Qu'est-il arrivé à cet oiseau? Cet oiseau a été capturé, il a raison. Donc ce jeune homme a dit qu'il avait vu faire ça à Yoff, n'est-ce pas?
jagues, les oiseaux en Europe pour étudier leur migration, leur déplacement. Et si on fait un bref traitement statistique, le taux de reprise est d'environ un oiseau repris pour 10 000 oiseaux bagués. Et au Sénégal, en ce qui concerne les sternes, la proportion était beaucoup plus importante. Donc c'est forcément qu'il y avait un problème. Et ce problème, c'était tout simplement la capture des sternes par les enfants, ce qui expliquait ce fort taux de reprise au Sénégal. La bague, si on la met, c'est pour étudier la migration de l'oiseau. Et si on prend les bagues, eh bien nous, on ne peut pas travailler. Et tout le travail qu'on a fait sur les colonies européennes ne sert à rien. Donc, il faut laisser les bagues à la patte de l'oiseau et surtout ne pas les capturer. Partie de l'approche participative. Oui, certainement. Certainement. Parce que bon, il nous faut mettre en confiance les gosses. En jouant au football, en racontant des blagues et tout. Et voilà, cela nous permet d'entrer de plein pied avec la population dans la protection des cernes. Ceci est indispensable, voire vital pour la survie de l'espèce. Et voilà, hop! Nanga tudu boy. Boy. Mune nungu tudu. Nanga tudu. Bay. Bay. Nous sommes. Bay Samp. OK. Donc tu vois ce garçon s'appelle Bay Samp et il a un collier de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bagues. Donc sachant qu'un oiseau une sterne sur 100 est bagué en Europe, ces 14 bagues représentent environ 1400 oiseaux capturés. Donc on peut regarder la provenance des bagues. Il y en a qui proviennent de Grande-Bretagne ou d'Irlande et qui forment British Museum. Celle-ci vient de Belgique. Vogeltrekstation Arnhem, Hollande, celle-ci vient des Pays-Bas. Celle-ci vient du Danemark. Et je crois que c'est toutes les nationalités qu'on a ici. Hein. Donc des bagues de Grande-Bretagne ou d'Irlande, des Pays-Bas, du Danemark et de Belgique. Hein. Donc avec les numéros, on peut savoir de quelle espèce il s'agit. Hein. Donc la Belge qui commence par 5T, n'est-ce pas, est une sterne Kojak baguée probablement à Zeebruges, dans le nord de la Belgique. Donc toutes les bagues néerlandaises qui commencent par 136 sont des sternes Kojak qui ont été baguées sur l'île de Rinde, c'est-à-dire dans la mer des Wadden. Et là, il y a plusieurs bagues qui commencent par 136, donc c'est des oiseaux qui ont migré ensemble et qui se sont fait capturer ensemble. Hein. Il y a probablement des oiseaux qui ont été bagués le même jour et capturés ici. Voilà. Donc toutes les bagues qui commencent par DK et qui viennent de Grande-Bretagne ou d'Irlande concernent également des sternes Kojak. Hein. Donc si je me souviens bien, il y en avait une qui commençait par SX aussi. Non, non. A priori, ça concerne que la sterne Kojak, hein, qui est de loin l'espèce la plus capturée au Sénégal. Hein. Donc là, en ce qui concerne la stratégie, bon, évidemment, c'est de noter les numéros. Bon, on saura très rapidement où et quand ont été bagués ces oiseaux. Hein. Donc de façon à ce qu'il n'y ait pas d'action répressive par rapport à ces enfants, je vais rendre le collier voilà, au propriétaire. Donc le piège que les enfants utilisent pour capturer les sternes se présente comme suit. Il y a donc un bâton de ce côté-ci, un autre bâton du côté droit. Et ces deux bâtons maintenant sont reliés par un fil. Un petit poisson, justement, qui sert d'appât pour la sterne. Et maintenant, au bout de cette corde, hein, il y a un hameçon. Et sur ce hameçon est accroché justement le petit poisson. Les deux bâtons sont plantés dans le sol. Et maintenant, quand la sterne pique sur le petit poisson, et bien sûr, l'enfant tire la corde de l'autre côté et l'hameçon se rapproche sur le bec de la sterne. Et en ce moment, il est prisonnier, il est pris, et maintenant l'enfant en profite pour le tuer
bon, soit pour le manger par la suite, ou bien donner cet oiseau aux chiens, et même en profiter pour les vendre aux touristes qui fréquentent la plage. C'est une très mauvaise activité qu'il faut décourager. Et c'est pourquoi nous sommes toujours là, présents, et nous profitons maintenant de la présence des enfants qui ne vont pas à l'école pour faire passer notre message. Donc, les inviter à cesser purement et simplement la capture qui est la principale cause de mortalité des sternes et bien sûr les plages sénégalaises. Oui, les sternes ne sont pas nicheuses ici au Sénégal, en grande partie. Celles qui sont capturées par les enfants au niveau des plages. Ce n'est pas un intérêt pour l'enfant de dire bah, j'ai attrapé une sterne. Pour lui, c'est tout naturel. Il n'a pas, pas d'interdit. Or, qu'est-ce qu'on fait pour ces sternes en Europe? Mais on dépend des sommes énormes d'argent pour faire la recherche, qu'on ait des effectifs et savoir où est-ce qu'ils migrent. Ces herbes ici frisent dans une marmite ou bien dans les mains d'un enfant, ce n'est pas, c'est de l'argent gâché. Donc il faut trouver justement l'information et la passion du peuple. Mais pour cela, il faut aller vers les populations. Il faut aller leur parler, les contacter, arriver à avoir l'adhésion. C'est là le partenariat de conception avec la LPO dans le projet STAN. Concernant la méthode de sensibilisation des enfants au sujet de la capture des oiseaux du bord de mer, eh bien, nous avons choisi l'approche participative. C'est une approche eh bien, qui nous permet d'intégrer soit les enfants ou les adultes, et bien sûr dans le processus de sensibilisation, parce que chacun a un rôle à jouer là-dedans. Nous allons voir les enseignants, les élèves, eh bien, sur place, c'est-à-dire dans l'école, et nous faisons un échange d'idées. Donc, nous parlons d'abord avec les enseignants de notre problème, c'est-à-dire de notre mission, leur expliquer que justement nous voulons collaborer avec vous dans le domaine de la sensibilisation concernant la capture des oiseaux du bord de mer. Parce qu'on s'est rendu compte que dans votre milieu, et bien sûr, les enfants ont pris la fâcheuse habitude de tuer les sternes pendant qu'ils ne vont pas à l'école. Alors mes deux collègues privilégiés appartiennent tous deux au bureau éducation des parcs nationaux du Sénégal. Il y a tout d'abord le lieutenant Mamou Fall, qui est le nouveau responsable du bureau. On a commencé à travailler ensemble en janvier 1997. Et Amadou Sega Diop, qui est un peu l'ancien de la mission, qui a commencé avant même que j'arrive en 1991, et qui est l'adjoint du lieutenant. Donc il faut être conscient de quelque chose, c'est que j'aurais d'énormes difficultés à travailler si je n'étais pas accompagné de deux hommes en tenue. Bon, déjà parce que mes connaissances du Wolof sont trop fragmentaires pour m'entretenir avec une grande partie de la population. Et bon, ce sont des hommes de loi, donc qui sont très respectés et qui permettent de travailler sereinement dans les écoles et aussi quand on fait l'approche participative sur les plages. Bon, présentement, on se dirige vers l'endroit où un filet va se tirer de l'eau pour avoir du poisson. Et présentement, on va y participer. Et puis, s'il le faut, tirer avec les populations, une manière justement de participer à notre manière au développement de la pêche ici en Mbao. Bon, pour le moment, je vois surtout des milans noirs. Il y a des sternes qui commencent à s'approcher. J'en vois une là-bas. Donc les poissons vont s'approcher du rivage avec le filet, bien évidemment. Et les sternes vont suivre leur sillage. Il y a, si tu veux, une forme de symbiose entre le pêcheur et les sternes. Les sternes aident les pêcheurs à trouver le poisson. Cependant, quand les pêcheurs
reviennent avec le pirogue, tout au long de leur sillage, il y a de petits poissons qui sautillent, qui frétillent, et les cernes sortent dessus. Donc, vice-versa, les uns sont utiles pour l'autre, et ça, c'est la réciprocité. On trouve deux types de captureurs au Sénégal. D'une part, les enfants qui finissent l'école vers 17h et qui, par désœuvrement, vont capturer les sternes en fin de journée au moment du retour des pirogues, qui représentent une minorité de captureurs, car la majorité est constituée d'enfants qui ne vont pas à l'école et qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Généralement, le soir, l'après-midi, est la période favorable pour la capture des cernes. Disons, c'est le moment où retournent les pêcheurs, donc les enfants sont présents sur la plage, les oiseaux aussi, les cernes aussi. Donc, ces enfants vont profiter du marchandage qui s'effectue, du travail qui consiste à tirer les barques ou bien tirer le filet. Et l'inattention des adultes favorise justement la capture des oiseaux par les enfants. L'oiseau a été considéré comme symbole. Symbole, parce que l'aigle, c'est un grand symbole, on ne touche pas à la cerne pour des questions religieuses. Mais pour les questions pratiques, nous cherchons à voir où sont situées les cernes, les guifettes. Parce qu'ils cherchent à avoir, par exemple, les poissons, les petits poissons, et ils mangent. Donc, plus les gros poissons veulent manger les petits poissons vont en surface. Et les surfaces maintenant, les cernes viennent chercher à manger. Là, le pêcheur dit, ah, là, il y a là-bas du poisson, ils prennent le sein de plage, ils prennent les pirogues, et ils vont aller pêcher. Donc, sur le plan biologique, plus vous avez la cerne dans votre mer, plus votre mer est saine. Mais plus vous avez l'absence, votre mer n'est pas poissonneuse et la mer est morte. En général, on se prépare le matin vers 7h et le départ est prévu, c'est entre 8h et 9h. Et on reste toute la journée en mer et le retour est prévu entre 16h et 17h. La pêche, en tout cas, ça fait vivre pas mal de gens. Non seulement il y a le piroguier qui va en mer, ensuite, dès qu'il rentre, il y a les personnes qui les aident pour remonter la pirogue. Ceux-là aussi, il faut leur donner quelque chose. Les anciens aussi, celles qui nettoient. Et ensuite, à la maison, ça atterrit dans un vol de Tchéboudienne, notre plat national. Est-ce que les oiseaux servent de radar parfois pour détecter? Ah oui, surtout les sternes. Ouais. Nous, on les aime beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, j'arrivais à les piéger ici sur la plage. Mais depuis que les parcs nationaux ont commencé à nous sensibiliser, on a su que c'est dans notre intérêt. Donc, par exemple, actuellement, si on voit un jeune qui essaie de capturer une sterne, nous-mêmes, nous l'interdisons. Ouais. On les protège, en quelque sorte. Ouais. Nous sommes devenus des forêts baies, des gardes de classe baies.
Dans cette société, il y en a qui s'entêtent. Il y en a certains esprits qui sont réticents à la sensibilisation. Et on y va, ben, pas avec le dos de la cuillère, mais on y va doucement, parce que cherchant à convaincre justement nos interlocuteurs. Nos cibles potentielles sont de préférence les enfants, mais il y a aussi les adultes qui sont là, présents à la plage, et il faut chercher à convaincre les enfants et les grands-parents aussi, les adultes qui sont là, pour peut-être s'occuper d'autres choses, leur faire découvrir la richesse du milieu par la présence de la sterne, n'est-ce pas, au-dessus des bancs de poissons. En Marco, j'ai connu Marco par hasard. J'étais avec le capitaine du Royal Tune, récemment décédé, et qui a commencé le travail avec moi en compagnie de Sega Diop. Il nous a salués à la sortie de la mosquée. Et on s'est revus quelques temps après, on a discuté du projet Stern, et il a tout de suite accroché à notre mission. Et comme c'est un chanteur reconnu, et qu'il a lui-même capturé des sternes étant enfant, il voudrait écrire un concept album sur le thème de la protection des sternes. Et pour lui, comme c'est quelqu'un de très religieux, c'est une forme de rédemption par rapport au mal qu'il a fait étant enfant. Donc pour le moment, on n'a pas encore formalisé cette collaboration pour des questions financières, mais j'espère que l'avenir sera bon pour lui comme pour nous. Parce qu'il y a une tradition orale en Afrique qui est restée très vivace, notamment par le rôle des griots qui a été évoqué tout à l'heure. Et lui n'est pas griot car il appartient à la confrérie Layenne, où il n'y a pas de griot, mais il est le garant d'une certaine tradition orale aussi. Hein. Damal ke bëgg wax ni bo démé ndar damal ke bëgg déñ xol la fofalé la fa ne ci pitié yépp ñu nga fay naaw damal ke bëgg xol ni xol laaf bi naaw xol ba ci défé ko tar xol ke mom ni mu téyé laaf bi mu ni du am nga law pour mu naaw damal ke bëgg dé li ma la bëgg wax ci ñoom modi la hello ni lima bëgg wax ci mom mu ni pitti geej bi mi ngi naaw dama neena bi ma nekké goné dama daan jël tias tek ñaari banta di ko def moy ñaxta di naaw dama la ko bëgg woné ñaxta mo suy jël de nan ki rip tayat gañ nan eufël hé alla rogray hé hé Mais le succès viendra par la communication, par la prise en conscience que les mêmes les vieux retrouvent justement cette autorité sur les jeunes, à dire que ne touchez pas. Ne faites pas. Là, à ce moment-là, tout le monde participe. Et à travers les écoles maintenant, là, on suit notre intérêt parce qu'on a d'autres supports de communication. Et si les jeunes sont conscients de cette action négative, nous sommes sauvés parce qu'ils ne feront plus, ils ne vont plus répéter. Donc, je pense que la présence, la communication et les intéressés à ce que nous faisons devient pour nous un impératif. Nous remercions toute la classe de CM2B de l'école des HLM Grand Médine, remercie l'équipe de la direction des parcs nationaux du Sénégal. Depuis l'année dernière, j'ai écrit un poème à l'intention des enfants. Moi-même, je m'appelle, on m'appelle ici Madame Diallo, mon nom d'auteur est Fatima Emassi. À chaque fois que je dirai un vers, vous le répéterez. Ok, on y va? Je protège les sternes. Je protège les sternes. J'aime les sternes voltigeants. J'aime les sternes voltigeants. Au-dessus des flots écumants.
au-dessus des flots écumants. Seront-ils calaos, milans ou des pélicans? Sont-ils calaos, milans ou des pélicans? Sinon, des sternes naines, des sternes royales criant. Sinon, des sternes naines, des sternes royales criant. En poussant des cris gés. En poussant des cris gés. Et les vagues dansant bercées. Les vagues dansant bercées. Par leurs chants perçants. Par leurs chants perçants. Et le pêcheur, la pirogue voguant. Et le pêcheur, la pirogue voguant. S'en va trouver des poissons en banc. S'en va trouver des poissons en banc. Grâce à ces oiseaux piaillants. Grâce à ces oiseaux piaillants. Revient la pirogue en plissant. Revient la pirogue en plissant. Des paniers, des caisses de poissons. Des paniers, des caisses de poissons. Je protège les cernes. Je protège les cernes. Je protège les cernes râlants. Je protège les cernes râlants. Entre les mains des pollutions malveillants. Entre les mains des pollutions malveillants. Fatima Emassi, École HLM Grand Midi. Fatima Emassi. Non. Voilà.